what you buy it for, you have to upsell. I go just follow my lead. Il a dépassé en fait. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Si c'est ta première fois de passer par ici, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter, mais surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Alors ce vlog se transforme en Get Ready With Me pour aller à Tampa, parce que voilà, aujourd'hui je voyage, je vais à Tampa. Donc dans tous les clips que vous allez voir, je vais prendre soin de moi, parce que ça fait trop longtemps que genre je me néglige et tout. Je vais pas faire mes cheveux, je fais pas mes ongles, enfin bref, la totale quoi. Donc vous allez voir comment je vais m'apprêter pour aller à Tampa. Enjoy. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est un vlog. Attendez, on va recommencer ça. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui on va vlogger my maintenance. Attendez, je cherche en français parce que c'est... Attendez. En français on dit quoi? Enfin, je vais take care of myself. Je vais... Mais attendez, j'ai plus de français dans ma bouche. Aujourd'hui, on va prendre soin de moi. Enfin, je vais prendre soin de moi. Donc, c'est un vlog où je vais aller faire mes ongles, je vais aller faire mes cils, je vais aller faire mes eyebrows, donc mes sourcils aussi. Et je pense que dans la semaine, j'ai un facial. Donc, j'ai un soin de visage à faire. Je vais vous amener avec moi. Donc, j'ai décidé de vlogger tout ça parce que, en vrai, je ne vais pas vous mentir. Ça va faire 6 mois que j'ai déménagé et je mets tout sur mon déménagement. En mode, non, je peux pas faire ça parce que je viens de déménager. Ah, je suis fatiguée parce que je viens... Non, girl. Tu peux pas ressembler à un zombie et accuser ton déménagement. Ça fait 6 mois que tu as déménagé, mais allô. Bref, donc si c'est ta première fois de passer par ici, moi c'est Clara Grace 4. Je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter. Mais surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je vais encore répéter. Tu es en train de regarder mon vlog et tu n'as pas encore cliqué sur le like. Like it! Avant même que je commence, pardon, likez la vidéo. Laissez un commentaire, même un cœur. Vous n'êtes pas obligé d'écrire quelque chose d'extraordinaire. Si vous avez quelque chose à me demander ou à dire, il n'y a pas de souci. Mais sinon, laissez un cœur. Parce que je vous ai déjà dit, l'algorithme a besoin que je puisse avoir des commentaires pour pousser ma vidéo. Des commentaires et des likes. Donc s'il vous plaît, likez. Mais sans plus tarder, voilà, on y va. Allons-y se faire belle, allons-y être une baddie. Ah, en fait, hein, vraiment, j'aime trop prendre soin de moi, mais c'est juste que il y a des fois j'ai la flemme. Je préfère être allongée sur mon canapé, mais là j'ai tellement de trucs à faire, like, et puis j'ai plein de surprises pour vous. Je vais pas spoiler. Allons-y d'abord. Sa big girl know they do like talk. Animals they in human form. Body man nobody like walk. But you must hustle if you want job. You no finish, they won't fight us. If them they run, them no fit catch up. I know they form say I too righteous. Look on they form say you do like us. You no get the time for the hate and the bad energy. Got my mind on my money, hey. Dance like broccoli, yeah. Green like broccoli. Steady on my grind, no more hear what they want telling me. Could you not my fantasy? They wanna check if my tapping don't rush. But if they rush, if they rush, where be much? How gonna make my top in the rush? The kind money we touch, yeah. I walked in the room as I lay and I don't smoke. Now did you notice me? I've been drinking more alcohol for the past 5 days.
to drop in fast, have to say bye bye yo. Bye bye yo. To the love of my life, my eye yo. Don't cry yo. I need to go and shy yo. I want you to tell me my love is your love, baby. If my heart's running, baby, she gon' save me. Yeah, she give me butterflies, my baby. Ooh, love, my love is crazy. I'm not joking, and I guess them know me. Monsters! This is O.C., tell me right in the story. Hey, music, non, la blague là, c'est loin. Facts, them know me. Oh, I didn't pay for your love in your love. Music chose me. Just know this and know me. Yeah, I didn't look deep. But I'm never lonely. Never. My feet me slowly. Du coup, je viens d'arriver. Je vais vite appeler parce qu'en fait ici quand tu es en retard tu dois payer en fait des frais. Mais après elle est cool parce que quand elle est en retard, elle me fait une réduction à chaque fois. Donc en gros elle va m'enlever peut-être 30$ ou 20$ parce qu'elle sait que quand moi je viens en retard je dois payer parce que j'ai perdu son temps. C'est ce qu'on appelle time is money ici en fait. Tu perds pas le temps des gens, c'est pour ça que j'aime les Américains. Ils aiment pas perdre le temps des gens. Je vais d'abord bloquer la voiture. Et on y va. Hey love, how are you? Long time. I know. I haven't seen you for so long. I missed you. Okay, how are you? I'm good. Oh my god, haven't seen you for so long. I know. Girl, please. Text me when I need a refill. Sometimes I'm just so lazy. Like I'm just so lazy about it. I don't know. That's crazy. I just feel so lazy about it. And I'm like, oh my god, I'm just gonna call Maya. And then I forget. Girl, I just started like being on point with my lashes. Like I need to be on point. Please text me and be like, girl, don't you need a refill, some? Anyway, how are you? I'm good. Girl, I'm vlogging in French. My French YouTube channel. Donc, les gars, là, je suis avec Maya. Her name is Maya. I'm telling you, she's the best. C'est la meilleure. Elle fait tout le temps mes lashes. C'est la seule, en fait. Et j'étais en train de lui dire que... Est-ce qu'elle peut m'appeler pour me dire que Clara, viens faire tes lashes? Parce que moi, j'oublie. Enfin, pas que j'oublie, j'ai la flemme, en fait. Je me dis... En fait, elle est un peu loin d'abord pour commencer. Et après, je me dis, je vais faire après, je fais plus. Et comme je vous disais au début, j'accuse toujours mon déménagement. Je suis like... Oh, je viens de déménager et tout, je peux pas. Alors que, flemme en fait. C'est juste la flemme. Donc là, s'il vous plaît, même vous, dans les commentaires, rappelez-moi, Clara, tu n'as pas besoin de faire tes cils, tes ongles, je sais pas, tout. Voilà. Now? Yeah, I should, right? You should. I should. I want to do it too, but I'm scared. Me too. And I was like, Maya told me there's money in this industry. Like, it is, but it's a little bit harder now because the wholesale prices are so high. They're so high. They're I checked. So high. They now. Are so high. And I know that's because they know, like, we all want to be entrepreneurs and we all want to have our own thing going on. They don't play with us right now. No, they're like so high, it's hard to make a profit right now because. For what you buy it for, you have to upsell it so much, and people won't want to buy it. Right. Ooh, it looks very good. Girl, you did that again. Yeah. Oof. 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 Saving lives. Literally. All right, thank you so much, Maya. On a fini. Regardez comment c'est trop beau. Like, c'est elle la meilleure. En général, je fais les tout petits. Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas fait ce volume-là.
Et enfin, ça ressemble à ça maintenant, mais après ça quitte. Donc je préfère avoir le volume et quand ça quitte, ça devient un peu plus naturel. Mais sinon, j'aime beaucoup. Donc là, je prends mon sac et on s'en va. On va faire les ongles. Je vais appeler mon doline et voilà. Aya, thank you so much. And I'll see you next time. Bye, Pookie. Il fait chaud. Ah, il fait chaud. Mais heureusement que j'ai mis ma crème solaire. Parce que là, il fait chaud. Mes cheveux, là, on va les faire aussi. Mais je vais faire moi-même. Je vais les faire moi-même. Attendez, on va appeler mon dos. Il est déjà 13h. Je suis venue. Ça nous a pris 2h30. Attends. D'habitude, ça fait moins, ça prend moins de temps. Et elle a tellement de clientes. À peine je sors, il y a une autre qui est venue. Mais d'habitude ça prend moins de temps, mais je pense que c'est parce que j'ai demandé un peu plus de volume et un peu plus de longueur que ça prend plus de temps. Mais attendez, on va appeler mon dos et dire de se préparer. Je suis un peu loin, comme ça on va aller faire nos ongles parce que je sers. Elle doit se dire, mais attends, elle là, elle m'a abandonné, elle peut faire ses cils et tout, elle veut faire toute sa beauté sans moi. Non bébé, je ne peux pas faire ma beauté sans toi. On va partir faire nos ongles ensemble, on se plaignait. Attendez, quand elle va arriver, on va vous montrer. Mais incroyable. Attendez, on va l'appeler. Je vais voir ce qu'elle fait. Bien. Allô. Yeah. On peut vite répondre à son téléphone comme ça dans la vie. tu fais quoi? Je suis là, je sais, je vais me maquiller là. Ok, faut faire vite parce que je vais venir te pick up pour qu'on prenne, on fasse les ongles ensemble. J'ai fini mes cils. J'ai fait les yeux. J'ai fait les yeux, je leur ai donné et après ils ont démoli la glace, je leur ai donné. Ok, parfait. En tout cas, je suis là-bas dans 28 minutes. Ok, pas de soucis. Ouais, tout à l'heure. Allez, on y va, on va chercher Tata Mando. Ouais. Et on va aller faire nos ongles. Je suis un peu fatiguée, mais je pense que ça va et je me sens tellement belle là. Ouh, ça faisait longtemps que j'ai pas fait de longs cils là. Pour qui je me prends en fait ça? Pour celle que je suis. Bref, allons-y. Take me as I am. Baby, it's magic every time that we're together. I make I just love you. Hold you for my hand. 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 Bon là, je viens d'arriver pour pick up mon dos. Voilà. Et la musique là, pardon. Et donc on va faire nos ongles. Je vous disais que je vais vous montrer, regardez. Dégueulasse. Monte tes ongles. Et on peut pas faire la belle avec les ongles, ça comme ça. Non. Mes pieds là, c'est la pagaille. Enfin, c'est pas la peine. Donc on va essayer d'aller. Il y a un salon juste à côté. Like un nail shop juste à côté là, mais j'ai pas l'habitude de faire là-bas, j'ai l'habitude d'aller de l'autre côté, c'est un peu loin, mais on va d'abord voir là, enfin on va un peu voir ce qu'ils ont, ce qu'ils proposent, mais en vrai j'ai l'impression qu'ils pourront pas faire ce que je veux. Attends, toi tu sais ce que tu veux, moi je sais ce que je veux, je pense que j'ai une image, mais je sais pas s'ils pourront le faire parce que il y a pas beaucoup de gens qui font ça en fait, et le style que je veux, et là il y a mon téléphone qui a décidé de ne pas charger. Ah voilà, there you go. Je sais pas si vous pouvez voir bien, mais... Ah voilà, vous pouvez voir. Vous voyez comment c'est beau là? C'est genre... je sais pas comment ils appellent ça, mais... Bref, regardez seulement. Je vais aller avec la photo là-bas comme ça. Et je vais voir ce qu'ils vont dire. On sait jamais. Hein. Je t'envoie comme ça, je vais plus avoir à chercher ça. Mm-hmm. Il y a ça et il y a aussi... Au cas où ils peuvent pas faire ça, je vais juste aller pour ça. Ça c'est une French, mais genre une French un peu compliquée, mais pas mal. En tout cas, si ça aussi ils peuvent pas faire, je sais pas. Hein. Donc vraiment, s'ils ne peuvent pas, on ira ailleurs. Tu veux montrer ce que toi tu as trouvé, ce que toi tu veux faire? Mais je dis qu'il y a les mêmes ongles. Ouais, c'est la French. Elle aussi c'est la French. Avec quoi? Ça? Ah, c'est la French. Ah,
Ah, tu veux faire la même chose? Non. Ah. Je cherche. Ok, cherche alors. On va... C'est juste à côté. Anyway, c'est juste à 2 minutes là. Allez, la beauté. C'est pour être pauvre dans quelques semaines, hein, vous savez ça. Woo! Anyways, attendez, je vous montre le coin rapidement. Ça s'appelle Lush Nail Bar. Ils sont ouverts non, jusqu'à 7h. Ok. 19h. J'ai donné. Oui, les hommes font ça bien aussi. Hein. J'ai donné la photo à la dame. Je sens qu'ils, on dirait qu'ils connaissent pas ça. Oh. Mais ils vont se. S'il peut pas là. Mais faut qu'ils sachent que. Il a dit oui, mais. C'est combien? Parce que quand je vois que le oui qu'il a dit là. C'est un oui pour dire que bon, elle veut les choses, des, elle veut les choses d'Instagram, elle va payer ça. Il y a les bonbons gratuits, tu veux faire les bonbons? Même si je ne vais pas faire ça, si je mange là mon bonbon. Hein? 130. Et on a voulu nous escroquer. $300 pour faire les ongles, la manicure, la pédicure pour toutes les deux. Alors que moi, quand je faisais ma manicure et ma pédicure avec Angela, en fait, c'était pas aussi cher. Après, bon, il m'a dit que le style que je veux, c'est $130. Je respecte ça parce que je sais que c'est un nouveau style et beaucoup de gens ne savent pas le faire en fait. Mais après, pour une French, vous n'allez pas charger $79 à quelqu'un pour faire les pieds. Non, mais attends. Attendez, vous êtes sérieux? On va juste aller où j'ai l'habitude. Je savais en fait que juste en venant là, c'était risqué. Mais bon, bref, j'ai voulu payer ça. Mais je me dis, pourquoi en fait? Alors que l'autre côté, ils font exactement... Enfin, ils font très bien leur travail hein, de l'autre côté. Le gars qui fait tout en maison, lui... D'abord, il me connaît déjà, donc il sait ce que je veux. À chaque fois que je viens, il sait que genre Clara elle vient faire la French et tout. Et là, même si je lui montre en fait la photo, s'il peut le faire, il va me dire, je suis sûre, il va me dire moins de $130. Donc, on va aller là-bas et... Pardon, il n'y a pas trop d'argent à gaspiller. Alright, so you guys... Hey, j'ai voulu vous parler en anglais. On vient à peine d'arriver là. Et ce coin-là, il y a toujours beaucoup de gens parce que le prix est bien. Mais après, il y a aussi de très bonnes personnes. Mais ah, on a la chance. Ou bien c'est fermé? Faut ouvrir un peu. Non, c'est ouvert. Hi. We want to do a pedicure and then full set, like French on the nail, on the toes and French on the nails. Okay. Vous là, eux-mêmes aussi là, c'est des voleurs. Que $65, mais c'est mieux même que l'autre côté là-bas. Je vais faire, on va faire donc la pédicure et la manicure. Ils vont commencer avec Mandoline sur sa pédicure. Moi, ils vont commencer ma manicure. Enfin, ils vont commencer my nails. Et ensuite, on va me faire la pédicure. Yes. En fait, je suis fatiguée. Je veux juste que mes ongles soient faits. Je ne veux même pas discuter. En fait, je suis fatiguée. Si c'est sous les 65, je vais payer 65. C'est tout. Mandoline, ça va? Oh, tu n'as pas mis ton massage? Mais normalement, on te dit de ne pas mettre le massage quand tu fais les pieds parce que tu vas la... Elle peut te blesser en fait quand elle fait. Mais... Bon, les gars, on a fini avec moi. Bon, moi, j'ai fait une French comme ça. J'ai choisi un rose. J'aime quand mon rose il sort bien. Enfin, il m'a même dit lui que genre les gens ils aiment pas trop quand le rose est trop rose. Moi je lui ai dit moi j'aime donc c'est moi qui paye donc tu vas me mettre le rose que j'aime. Donc il m'a mis un rose bien rose comme ça. Je sais pas si vous pouvez voir. C'est trop beau. Mes pieds aussi sont trop beaux. Attendez, je vous montre. Est-ce que vous pouvez voir? Voilà. Mes pieds aussi. Là, elles sont en train de faire mon dos. Elle va faire une autre méthode. Moi, j'ai fait avec... Moi, ils ont fait avec acrylique. Comment je peux vous dire ça? La poudre. Donc, ils ont utilisé la poudre. Ensuite, ils ont coupé. Il a utilisé genre un fer. Il a coupé. Ensuite, il a mis le blanc au-dessus. Et il a mis juste la base. Et j'aime faire ça parce que ça dure. Mais quand je vous dis que ça dure, je peux faire un mois avec. Et juste venir arranger et tout. Je vais couper le vlog et je vais vous reprendre quand je vais blanchir mes dents parce que je dois blanchir mes dents aussi.
Et voilà. Donc je dis, ma vie dose de jour là. Je vous avais dit que ma vie ne dosait pas, non. Je ne savais plus. Je n'arrivais plus à faire mes ongles. Je n'arrivais plus à faire mes cils. Même les cheveux que je sais faire moi-même. Oh, que accuser le déménagement. Ça fait combien de temps que j'ai déménagé? Oh, j'ai déménagé, c'est ce qui me fait ça. J'ai... Non, 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 c'est moi-même en fait. La paresse, c'est moi-même. Mais bon, ça suffit, je suis fatiguée de ressembler comme les Américains disent là, que bam, ça veut dire genre, tu ressembles à rien, carrément en fait, je suis fatiguée de ressembler à rien. En gros, j'ai remarqué quoi, je ressemble à quelque chose quand je voyage, et faites-moi voyager, dites-moi ce mot Clara, on part en vacances, hey! Je dis, même où j'ai pas l'habitude de coller les cils, je vais coller, genre les, voyez les cils qu'on colle comme avant là, moi je, j'ai plus la force, j'en ai beaucoup, mais j'ai plus la force. Donc, quand je suis en voyage, mon make-up est au point. Mes tenues sont au point. C'est-à-dire que, hé, on dirait que dans ma vie, là, je dois voyager seulement. Oui. Ça, tout pour moi, prend quand je voyage. Mes ongles. Même mes boutons partent quand je voyage. Pour vous dire à quel point, en fait, la go aime voyager. Hé, les gars, là, je suis en train de rentrer dans la pièce pour faire mes sourcils. Et je viens de me rappeler en fait que le gars en question, enfin celui qui va faire mes sourcils maintenant, c'est le gars qui m'avait fait les sourcils une fois. Et genre, je sais pas avec qui j'étais au téléphone, mais je parlais de ouf. Et le gars, il était like, chut, tu parles trop. Moi, je suis like, ok, d'accord. Et j'ai dû dire à la personne, attends, je te rappelle après et tout. Là, je dois faire mes eyebrows et tout. Mais il fait bien. D'abord, moi, j'ai mes eyebrows, ils sont tatoués. So basically, ils ont juste besoin d'enlever le like extra, ce qui est, enfin, oh mon dieu, l'anglais. En fait, ils ont juste besoin d'enlever l'excès. Il n'y a pas beaucoup, mais juste un tout petit peu là. Like here. Juste un peu, parce que moi, mes sourcils sont tatoués. Et même s'ils ne savent pas shape, ce que j'adore avec le tatouage, c'est que même s'ils ne savent pas comment tracer mes sourcils, ils sont déjà tracés. Il faut juste enlever ouais, l'excès de tout. Donc là, je l'attends, je vais tranquillement m'installer. Confortablement. I'm glad to win. Thank you so much. It looks perfect. Nice. I like it. I really like it. Thank you. J'adore. C'est trop bien fait. Après, comme je vous ai dit, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Qu'il le fasse bien ou pas, mes sourcils sont déjà tracés. Mais bon, j'ai toujours besoin qu'on puisse enlever l'excès en fait, de cheveux. Et là, ils vont faire tatsavanto. Il est rate les sourcils, on ne paye plus rien. Ni les ongles, ni les sourcils, ni les on se joue les Américaines. On crie. Elles sont graves des escrocs, ces filles. Oh, oh il n'a qu'à essayer. Elles sont graves des escrocs. Et genre, ça dure plus longtemps. Genre, tu vas garder ça même pendant un mois. Genre, tes cheveux, ça sort pas en fait. Alors que la lame, au bout de 2 semaines, tu as les petites repousses et tout. Mais ça fait mal quand même, j'avoue. Après, je viens de me rendre compte qu'en fait, tu sais que c'est un tissu qu'ils utilisent pour arracher.
No, it wasn't that bad. Et ça, c'est pas la meilleure. Tu sais qu'il y a des fois, ils ratent, ils te prennent la partie de genre tes baby hair. Quoi? Non, je voulais. Mais un gars, là, il a failli m'enlever mes baby hair. Il a dépassé, en fait. En plus, tes sourcils sont très bien. Enfin, le shape, la forme de tes sourcils sont beaux. Mm-hmm. Ça lui donne moins de travail, en fait. Et il connaît, hein. En vrai, il connaît vraiment faire. Non, il connaît vraiment parce que parce qu'il est rapide, là. Mm-hmm. Il souffle dessus comme ça. Ok. Il arrive à faire au milieu maintenant. Juste genre le milieu. J'ai rien au milieu, il sèche quoi. Des petits cheveux là. Genre pour qu'on voit bien la définition de tes sourcils. Mm. On va prendre juste le milieu. Ensuite, la partie qui va faire le plus mal, c'est qu'il va prendre. Non, il y a encore une patte. Yep. Il va prendre, tu vois, les. Le. Comment on appelle ça en français? Il va prendre la pince à épiler. Et ils vont enlever ce qui a été têtu là, depuis la racine. Là, il a très bien fait ça. Oui, il est fort, I'm telling you. She said she really likes it. She really likes it. Oh, she likes it. Yeah, it's very nice. Thank you. On vient à peine de finir, là, on va vite aller à Ulta Beauty acheter quelques produits de beauté. Ok. Après avoir cherché ce sérum là dans tout le store alors que c'était devant nous, on a finalement trouvé, donc on a pris une bouteille et on y va. Je pense que c'est tout, non? C'est tout ce dont on avait besoin. Moi j'ai besoin de rien d'autre. Il y a le teint. J'ai entendu une très bonne chose sur ça. Je vais prendre. Merci. Yeah, I'm gonna try this. C'est bon. $37.90. And then, did you want to use your card? Sorry? Oh no. Coucou tout le monde. Je sais même pas. J'espère que vous allez bien. Je sais même plus quel jour après. Enfin, je sais même la dernière chose que j'ai faite. Je pense que c'était mes ongles. Mais là, on va faire. Je vais blanchir mes dents. De base, j'aime aller chez une dame là et tout. Mais je peux pas. Je peux pas. Donc, du coup, je me suis prise ce Smile Kit. Et on va essayer ça ensemble. C'est ma toute première fois. D'habitude, j'utilise les White Strips. C'est ça, comme ça. Attendez, je vous montre à quoi ça ressemble. En fait, c'est ça, voilà. Genre, tu mets en haut et en bas. Tu laisses pendant quelques minutes. J'ai même envie de faire ça parce que j'ai pas assez de temps. Je dois aller arranger ma voiture et je voyage aujourd'hui. Donc, la suite de ce vlog, ce sera un vlog où vous allez avec moi à Tampa pour l'anniversaire de Milka, d'une amie. Voilà. Donc, on va d'abord mettre ça. C'est beaucoup plus facile. Je crois que je vais revenir pour faire l'autre. Parce que si je me permets de faire ça, vraiment, je pourrais pas. Je dois aller faire les visites pour ma voiture. J'ai aussi fait mes cheveux. Milka m'a fait mes cheveux. Donc, vous allez pouvoir voir mes cheveux et toute la transformation. À la fin de la journée, je crois que cette vidéo va se transformer en genre une mise en beauté. En gros, je pense que c'est « Get ready with me to go to Tampa ». Donc, un « Get ready with me » pour mon voyage à Tampa. Donc, attendez. J'ai besoin de quelque chose pour soutenir ma caméra. Parce que comme ça, vous pouvez voir. Je pense que ça... Ça peut le faire. Donc c'est simple. Hein. Prenez votre traitement, voilà, comme ça. Vous allez l'ouvrir simplement. Et coller le haut et le bas. Donc comme ça. La première fois, c'est un peu bizarre. Parce que si vous bavez trop, ça colle pas. Alors que ça doit couler un peu. Et il faut garder juste pour 30 minutes. Ça, c'est beaucoup pour moi parce que je dois partir. Donc, je vais garder un peu moins. Du coup, je vais profiter à faire mes cheveux. Donc, je vais vous montrer. C'est déjà fait, mais je dois juste faire mes baby hair. Elle a dead la pose. Et Nika, tu as dead la pose. Bébé, tu connais.
Donc voilà, c'est une lace frontale, comme ça, je dois refaire mes baby hairs du côté et de ce côté aussi. Comme je suis contente de m'évader un peu là, j'en pouvais plus d'Atlanta, hein. Fallait que quelque chose se passe, donc c'est temps pas ouvrir. Oh là là, je cherche des... Du coup, j'utilise mon gel de chez Olive Oil. C'est aussi une colle à la fois, mais quand je dis que c'est fatigant ce truc. Quand on met trop, c'est la cata. Quand on met un peu, ça sort pas bien. Donc je vais juste en mettre un tout petit peu, parce que c'est comme une colle aussi. Et voilà, juste comme ça. Et un peu de ce côté aussi. Un tout petit peu comme... Voilà. Et de l'autre côté. Et je vais mettre un tout petit peu le colle aux endroits où j'ai l'impression que, ben, genre ça veut un peu se lever. Pas si mal, mais genre un tout petit peu, c'est important. En plus, on voyage. Bien que j'en ai mis, j'ai mis une colle dans ma valise, parce qu'on sait jamais. Je vais toujours le faire avant de partir parce que j'ai pas envie de trop. Ça c'est convenient, regardez. Ça c'est pour aplatir la colle et là, ça c'est différent des autres trucs là. Ok, c'est un 3 en 1. Ok. Juste un tout petit peu. Voilà, comme ça. On va s'en aller. Voilà. Oh, je suis trop belle. C'est l'enfant de qui, s'il vous plaît? Attends. Voilà. Et je vais ajouter de la mousse dessus pour que ça garde cette densité-là. Ça va garder la densité. Oh, mais c'est trop beau. Ah oui. Allez. Il n'y a pas à perdre trop de temps comme ça. Il est temps pour nous d'enlever nos autocollants là. Je ne sais pas comment on appelle. Il est temps pour nous d'enlever ça. Mais d'abord, comme je disais, je vais mettre un peu de mousse. Voilà. Un peu de ça. Pas beaucoup. Juste un peu pour garder la forme. Voilà, pour que je ça avant, sinon ça ne fait pas, je comprends plus ce truc là. Voilà. Tada. Alright, so les gars, je vais enlever mes strips. Voilà, ça c'est trop efficace. Après tu brosses juste tes dents, voilà. Mes dents sont blanchies. Mes ongles sont faits, mes cils sont faits et mes cheveux sont faits. J'étais censée faire un facial parce que voilà, mon visage vraiment c'est pas à la joie. Mais là ça va mieux. Mais je vais faire ça peut-être à mon retour de Tampa. Donc si vous voulez voir la suite de ce vlog, parce que c'est techniquement il y a une suite, ce sera le travel vlog de Tampa. So, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me donner un gros pouce en l'air, abonne-toi et je dis quoi? On se voit à Tampa. Bye guys.